On m'a dit qu'on t'avait mis au mitard direct. Ah, les matos, ils ont pas aimé, tu connais. Hein. Normal, frère, taper la nouna aussi. Ben bon, maintenant, les gens, ils savent. Ça va sinon? Ouais, ça va, on est là. T'es bien? Ouais, tranquille. T'as besoin de quelque chose? Il me faudrait un Fantel. Ok, j'ai ça. T'as fumé aussi? Ok. En tout cas, tu me diras combien je te dois. T'inquiète, gros. Je te mets bien ici. Quand je sortirai, bah, tu penseras à moi. C'est gentil. Mais toi, tu veux quoi, toi? Comment ça, je veux quoi? C'est bon, oh. Y a rien, frérot. Je connais les types, eux. Ils aiment bien se la raconter comme ça. Mais y a rien du tout. Allons-y, messieurs. Allez, on y va. Vas-y, on se capte plus tard. On se capte là. Messieurs. Allez. On dit que tu voulais me voir, toi. Tu convoques les gens comme ça? Tu te prends pour qui? Eh, je m'en bats les couilles de savoir quitter. Tranquille, comme toi. Pourquoi t'es toujours énervé? On peut parler normalement, non? Parler de quoi? Je t'ai entendu rapper hier. Tu sais que t'as un bon flow. T'as jamais dit que je pouvais faire un truc dans le rap? Eh, c'est bidon le rap. Tout le monde peut le faire, ça. J'ai dans les vrais bails, moi. Ah ouais, c'est quoi tes vrais bails? Eh, je suis pas béton parce que j'ai piqué un peu de cheat, hein. Je sais, on m'a dit. Dans 3 jours, je sors d'ici. Je monte sur une bécane. Celui qui est pas content, je lui pèse sa mère. Gros, il y a 5000 euros par jour à prendre dans le gérant d'éreinté. Tu crois que je vais me casser la tête à essayer de percer dans le rap ou quoi? Moi, je te parle d'un truc qui ferait kiffer n'importe qui. Ah non. Toi, c'est récupérer des rentés qui t'intéresse. C'est ça qui te fait kiffer, en fait. C'est l'argent qui me fait kiffer. Surveillant. Parlez 5 minutes. Qui t'a dit que je voulais parler avec toi? Calme-toi, je veux juste parler 5 minutes. Là. Tu veux quoi? C'est bon. Calme-toi, j'ai capté que t'étais en ouf, c'est bon. T'as capté quoi, toi? Tu vas sortir ici. Tu vas récupérer tes points de vente après. T'as 2 solutions. Soit tu te fais fumer, soit tu te refais claquer et tu reviens ici. T'auras gagné quoi, en fait? T'inquiète pas que dans la street, ils vont me reconnaître. Et si tu prends 15 piges? Dans la street, ils vont te reconnaître. Ils vont vite t'oublier, moi, je te dis. Et moi, je te parle de prendre 400 000 euros en un an, argent légal. Tu les récupères avec tes points de vente, ça? Mais ça change quoi, t'as vu que je fasse de la musique? Écoute-moi, avant j'étais comme toi, plein de malades, je voulais tout baiser. Mais j'ai très vite compris que je pouvais prendre de l'argent dans la musique. Et beaucoup d'argent. Et pense à ta daronne. Parle pas de ma daronne. On m'a dit ce qu'elle avait. Parle pas de ma daronne, je t'ai dit. Je parle pas de ta daronne, je parle de toi. Comment tu fais pour l'aider? Elle est malade. Tu fais comment si t'es ici? J'ai un plan dans ma tête pour te faire monter très vite. Ça va profiter autant à toi qu'à moi. Tu me suis ou tu me suis pas? Tu parles de musique? Ouais. Mais d'abord, faut que tu parles avec mon grand. C'est qui ton grand? Mac Taylor. Tant que t'as pas parlé avec lui, tu parles pas avec moi. C'est bon? ...de ton album, et nous, chez Jungle, on s'occuperait de la distribution et de la promotion. Et nous, on veut 350 000 euros à la signature. Master, 350 000 euros pour un premier album? Ouais. 200 000 euros pour Carnage et 150 000 euros pour la prod. Non mais arrête, le petit, il est très fort, mais là, c'est beaucoup trop risqué pour nous. Et toi, là? Regarde-moi quand tu parles de moi. Excuse-moi, ouais, c'est une discussion entre ton producteur et moi, là. Écoute-moi bien, moi, j'ai pas ton temps. Donc tu donnes ce qu'on dit, ou sinon, je n'ai rien du tout. T'as compris? Alors, donc, c'est ça. On discute plus, là, c'est vous qui décidez. Hey, Master, s'il te plaît, viens, on fait pas d'embrouille ici. Allez, t'inquiète, je m'en occupe. Ouais, c'est en bas. Venez. Eh, qu'on prévient avant d'arriver, toi. Tu te fous ma gueule ou quoi? Ça fait 2 jours que je t'appelle, tu réponds pas. Eh, moi, j'ai pas le temps, je viens direct. Eh, tu vois bien, on est en studio, on taffe. Je m'en bats les couilles, moi. Quand je t'appelle, tu réponds. Le contrat, il est où? Jungle, ils disent quoi? Sichman, il s'est fait virer. Omega, il propose pas assez. Donc moi, je me cache chez Silver Music et je t'emmène avec moi, on va signer là-bas. Et mes thunes, je les touche quand? Je t'ai déjà dit, tes 200 000 euros, tu les auras à la signature, le reste, ça va suivre. Eh, Master, je te jure, t'as pas intérêt à me la faire à l'envers. Hein? Redescends d'un ton, toi. Ça sert à rien de venir avec tes 2 potes comme si t'étais un caïd. Et ici, c'est pas un hall de test. Alors, y a personne qui me met la pression, t'as compris? Eh, tu m'as vendu que t'étais le boss. Donc si tu fais ce que tu dis, là, on parlera normal.